Alors donc c'est un lieu qui a démarré en septembre. On a monté une association pour faire découvrir le carton de tapisserie qui est un patrimoine méconnu d'Aubusson et qui est essentiel, qui est fondamental pour la tapisserie, puisque avant de tisser, il faut toujours un modèle. Et les personnes font attention à la tapisserie souvent, mais pas au travail qui est en amont de la tapisserie, c'est-à-dire tout le travail préparatoire qui commence par déjà une maquette. Et cette maquette, elle doit être agrandie à la taille de la tapisserie, puisqu'on place le carton sous la chaîne, il faut que ce soit la même taille que la tapisserie. Donc pour agrandir cette maquette, eh bien, on va utiliser, avant le procédé photographique, on va utiliser la méthode au carreau, c'est-à-dire qu'on décalque, on inverse son carton, et puis on va tout quadriller, ces petits carreaux, et on reporte des carreaux sur une feuille vierge, la taille de la tapisserie, et on va recopier carreau par carreau. C'est ce qu'on appelle donc la méthode au carreau, une méthode très ancienne pour recopier, agrandir un motif sans déformer la composition et les proportions. Et toute cette chaîne de métier qu'il va falloir préparer avant d'attaquer la tapisserie. Il y a tout le bobinage aussi. On met les écheveaux, on les met sur des bobines, ensuite sur des petites flûtes. Et ces flûtes qui vont permettre de passer à travers les chaînes, les fils de chaîne, eh bien, le lissier peut aussi avoir l'adresse de mélanger des nuances, de mélanger des couleurs pour obtenir encore d'autres nuances. La tapisserie de Aubusson actuellement est en pleine évolution dans ses techniques, dans le choix des matériaux aussi. On peut considérer que la tapisserie c'est un produit cher, très cher d'une part parce que c'est un produit fait main, de qualité, qui utilise des matériaux de qualité, de la laine, de la soie, des fibres, de l'argent, du fil d'or, fil d'argent. On utilise des matériaux qui coûtent aussi, qui sont assez chers quand même. Mais le coût d'une tapisserie c'est quand même son coût de revient, c'est le savoir-faire et c'est un travail fait à la main qui demande du temps. Et qu'est-ce qui vous attire dans ce métier? Qu'est-ce qui est plaisant dans ce métier, c'est de pouvoir créer. Même si au départ, nous sommes appelés à être exécutants. En premier, on exécute, on apprend ce métier-là. Après, effectivement, après des longues années de pratique, on touche à des choses qui sont très intéressantes, comme les chairs, ou alors des créations artistiques qui sont très intéressantes avec des artistes. Un lycée reconnu, c'est difficile, il ne faudrait pas être très prétentieux, même si nous sommes très peu nombreux. Avant tout, je pense que c'est des années et des années de pratique, d'expérience, d'erreurs et d'apprentissage aussi. On a beaucoup appris et on s'est beaucoup trompé souvent. Et on a besoin aussi de travailler avec des artistes. C'est très intéressant de toucher à des œuvres beaucoup plus artistiques, beaucoup plus complexes. Donc, c'est des années et des années de pratique, avant tout, et puis beaucoup de modestie. Et je pense que j'apprends encore tous les jours. De la tapisserie à Aubusson, c'est un projet qui est tout à fait important parce que c'est un projet qui à la fois consiste à valoriser ce grand patrimoine qui est maintenant à l'UNESCO depuis 2009, qui consiste à faire de la création contemporaine, qui consiste à transmettre, à assurer la transmission de savoir-faire à travers la formation et à accompagner la petite filière économique qui existe. Et je dirais, pour couronner un peu cette approche, on va avoir un nouveau bâtiment, un nouvel équipement Cité de la Tapisserie qui va permettre de tripler les surfaces du musée. Et cet équipement, il va être ouvert à la fin de 2015. Alors cette exposition, c'est une exposition qui a eu le label Exposition d'intérêt national. Donc elle fait partie des 20 expositions en France qui ont eu ce label de la part du ministère de la Culture. Et c'est une exposition qui présente,
qui s'appelle Tapisserie des Lumières, splendeur de la manufacture royale, donc fournisseur de l'Europe au XVIIIe siècle. Et elle présente donc les œuvres des tapisseries d'Aubusson du XVIIIe siècle. Elle fait le point sur le XVIIIe siècle. Et c'est une exposition à la fois thématique, mais autour de laquelle il y a un vrai travail scientifique qui permet de préparer le futur parcours de la Cité de la Tapisserie quand elle va être dans son sur son nouveau site en 2015. Et donc elle est intéressante parce qu'elle vise notamment à montrer qu'il y a énormément de... que finalement il y a eu à Aubusson une finesse dans le tissage qu'on a longtemps attribué à Beauvais par erreur, et que l'hélicier d'Aubusson était capable parfaitement au 18e d'avoir des tissages extrêmement fins et extrêmement raffinés.